Om Shanti. Om Shanti. Avec beaucoup d'amour, je suis allée offrir Bhog à Baba. Et Baba l'a accepté avec beaucoup d'amour. Ensuite, Baba partageait un drishti très aimant et très puissant. Et après quelques minutes, Baba a dit, tout ce que vous avez accumulé, les pouvoirs, l'amour, quoi que vous ayez accumulé au bon moment, cette accumulation, cette épargne que vous avez faite va vous aider. Papa dit, quelquefois, les enfants sont un peu négligents lorsqu'ils pensent que Baba va aider, que Baba est tout puissant, il est avec nous. Mais Baba peut aussi aider ou vous donner du pouvoir si vous faites de bons efforts et aussi si vous accumulez. Même les parents lokkhiques vont aider les enfants, ils vont s'assurer qu'ils ont assez de tout, mais ne pas dépendre d'eux. Les enfants regardent Baba et disent, Baba, on dépend de toi. Baba dit non. Vous prenez et tout ce que vous accumulez, vous le faites vôtre, comme l'amour. Prenez l'amour de Baba. Mais vous devez devenir des images de l'amour, des images de la paix. Ce n'est pas qu'à ce moment-là. Si vous devez donner une expérience ou partager de l'amour avec les autres et que vous dites, Baba, s'il te plaît, donne-moi de l'amour. Baba va dire non. Tout ce qui est accumulé, vous allez en devenir l'image. Et lorsque vous devenez une image, alors vous pouvez donner, vous pouvez partager, coopérer. Vous pouvez aider beaucoup, beaucoup d'âmes. Baba dit qu'il veut que les enfants portent attention d'accumuler, de faire des efforts constants, constants. Et Baba ne vous donne rien à faire qui est difficile. Juste être naturel. Mais gardez votre but et votre destinée. Lorsque vous avez un but et une destinée, vous allez définitivement continuer de faire des efforts. Alors Baba dirait, accumulez, soyez en l'incarnation. Et donner, et de devenir un donneur. Accumuler, devenir en l'incarnation et partager avec les autres. Baba est toujours notre colonne, il est toujours là, mais il veut que nous aussi, nous devenions cette image de soutien. Et Baba ensuite a donné beaucoup, beaucoup d'amour, de souvenirs à chacun. Om Shanti. De donner du respect veut dire de semer une graine d'amour du fond du cœur, dans le cœur des autres.
Les versions élevées d'Avyakt Bhaktada, un extrait du Murli du 23 février 1997. Bhaktada continue de voir les jeux, les divers jeux des enfants. Bhaktada est avec vous et cependant, vous êtes tellement accaparé par les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous êtes tellement accaparé, tâchant d'y faire face, que vous ne réalisez même pas qui est avec vous. Alors, que fait Baba à ce moment-là? De compagnon, Bhaktada devient également l'observateur. Il observe vos jeux. Ne faites plus cela. Puisque vous l'appelez votre compagnon, remplissez la responsabilité d'un compagnon. Pourquoi vous écartez-vous de lui? Baba n'aime pas cela. Bhaktada, le désir pur que chacun des enfants devienne et soit véritablement un souverain de lui-même et celui qui a un droit à la souveraineté du monde. Faites-vous tous partie des sujets? Vous ne souhaitez pas devenir des sujets, n'est-ce pas? Vous êtes des empereurs, les rois du monde. Vous êtes ceux qui créent des sujets, non ceux qui deviennent des sujets. Vous êtes ceux qui deviendront des rois, n'est-ce pas? Vous êtes ceux qui deviendront des rois et qui créeront des sujets. Donc, vous êtes ceux qui deviendront des rois et créeront des sujets. Donc, où sais-je roi? Sur un trône. Quand quelqu'un a l'ivresse d'être un roi, il reste assis sur le trône d'une façon pratique, concrète. Ainsi, ne descendez jamais de votre trône d'observateur détaché. Ne descendez jamais de votre trône. Donc, quand vous faites un effort à ce niveau, vous vous fatiguez aujourd'hui et vous avez fait attention à vos pensées demain. Vous serez attentif à vos paroles et ou à vos relations, etc. Donc, de cette façon-là, vous vous fatiguez. Faites simplement l'effort unique de ne pas descendre du trône de l'observateur détaché. Gardez un cœur heureux et restez assis sur votre trône. Même tout en dormant, être assis, tout en marchant ou avec les comptes, ou en ayant un contact ou des relations avec les autres. Vous êtes assis sur votre siège. Savez-vous comment rester assis sur votre siège ou pas? Une âme va être assise sur le trône d'un observateur et donc ne sera jamais découragée à cause d'un problème. Donc, une âme qui est assise sur le trône de l'observateur ne peut jamais être déprimée par un problème quel qu'il soit. Les problèmes resteront sous le trône et vous serez assis sur le trône. Les problèmes ne pourront pas lever la tête, se dresser face à vous. Ils resteront en dessous, comme étouffés. Ils ne vous affligeront pas. Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique.
Om Shanti. Afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie, devenez libre des liens, libre du « je » et du « à moi ». « Je » et « à moi » font de vous des résidents de la Terre. Devenir un ange veut dire se libérer des liens du « je » et du « à moi ». Dans cette vie alokique, « je » et « à moi » constituent une chaîne en or. Constitue une chaîne en or. Je suis très gani, je suis une âme gani, je suis une âme yogi. C'est ma spécialité, c'est ma nature. Libérez-vous maintenant de ce je et de ce à moi. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le jour 14, afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie. Devenez libre des liens. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'être libre du « je » et du « mien » à moi. Nous allons maintenant écouter Mohini Didi. Om Shanti. Tout le monde va bien? Joyeux Sadhguru War. Les signaux de Baba sont toujours très subtils. Baba veut que nous fassions des efforts et que nous nous libérions des liens du je et du à moi. Monsieur Baba veut aussi que chacun de nous d'avoir notre propre compte et d'être des incarnations afin que nous puissions donner. Donc, c'est d'un côté, rien ne m'appartient, de l'autre côté, c'est mon propre compte, mon compte d'accumulation. Donc, c'est très important que je devienne l'incarnation. Si quelqu'un veut donner l'expérience de la paix et que son image n'est pas celle de la paix, il veut que Baba donne de la paix, mais Baba ne sera pas capable de donner à cette âme parce que je suis l'instrument. En tant qu'instrument, je ne suis pas paisible. Je ne suis pas la paix, donc c'est très important que je devienne l'incarnation et que j'accumule. Donc, même si Baba veut faire de moi l'instrument, il ne sera pas capable de le faire. Si vous êtes fâché, Baba ne peut pas donner l'expérience d'être un serviteur du soi. Mais si vous êtes souverain du soi, Baba peut utiliser l'instrument. Baba veut faire de vous un instrument. Mais cet instrument doit être préparé à temps. Vous avez dû voir que les chanteurs très importants et donc, si si vous n'avez pas de chanteur expérimenté, vous avez besoin d'un orchestre, mais si vous avez un chanteur expérimenté,
Il n'a pas besoin d'un orchestre, Baba veut qu'on devienne de bons instruments. Et Baba, ensuite, va être capable de nous utiliser. Alors, Baba dit, être libre du « je » et du « à moi ». Le « je » et « à moi » font de nous des résidents de la terre, de cette terre. Mais nous devons devenir des anges. Comme Baba a dit, un temps va venir où nous serons incapables de servir. Il y aura des calamités, de la violence. Et donc, physiquement, vous ne serez pas capable de servir. Donc, vous devrez servir dans votre forme angélique pour devenir un ange, veut dire devenir libre des liens du « je » et du « à moi ». Dans cette vie alokique, le « je » et « à moi », c'est une chaîne en or. Je suis très bon. Je suis très bon dans la connaissance. Je suis une âme de connaissance ou gyani. Je suis une âme yogi. C'est ma spécialité. C'est ma nature. Alors maintenant, devenez libre du « je » et du « à moi ». Même les spécialités, quelquefois, peut-être ne peuvent pas fonctionner. Baba doit les utiliser. Donc, quelquefois, Baba veut que je sois l'instrument. Et donc, comme j'ai dit, vous devez en être l'incarnation si on veut que Baba se serve de nous comme un instrument. Vous devez faire des efforts et de l'autre côté, n'avons aucun attachement. Laissez Baba utiliser vos spécialités afin que vous puissiez servir de façon précise. Bienvenue au monde du bonheur. C'est le jour 14 aujourd'hui. Bienvenue au Burliavirg depuis 1969, une fortune multipliée par des multimillions. Om Shanti. C'est le Murli Avyak du 3 mai 1972. Soyez un législateur et non pas un briseur de loi. Une punition subtile sera donnée de manière subtile et jour après jour, la punition sera plus importante. Cependant, selon les codes de conduite divins, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas conforme au code de conduite, si quelqu'un désobéit au code de conduite, alors cette âme doit également subir une punition physique. Que se passe-t-il alors? Vous serez privé de l'amour et des relations de la famille divine, ainsi que du trésor de la richesse du temps présent. C'est pourquoi maintenant, vous devez faire vos pas avec beaucoup de réflexion et d'attention. De telles disciplines sont établies par les Shaktis. Vous devez être prévenu à l'avance, n'est-ce pas? Alors, ne dites pas que vous ne pensiez pas qu'il en serait ainsi et que c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes donc prévenu à l'avance. Outre les disciplines grossières, il y a aussi les disciplines subtiles.
La punition pour ceux qui commettent de telles erreurs est proportionnelle à l'erreur commise. Par conséquent, puisque vous êtes les législateurs, n'enfreignez pas la loi. Si les législateurs enfreignent les lois, comment pourrez-vous revendiquer le droit de régner en toute légalité? Si vous ne pouvez pas conduire conformément à la loi, vous conduire conformément à la loi, comment pouvez-vous régner sur un royaume de façon légale? Par conséquent, considérez-vous maintenant comme un législateur et soyez légal à chaque pas, c'est-à-dire faites chaque pas conformément à Shrimat. Ne mélangez pas les dictats de votre propre esprit. Maya transforme Shrimat en Manat et vous donne l'intellect. Considérez cela comme Shrimat. Donc, ensuite, sous l'influence de Maya, vous commencez à considérer Shrimat comme Manmat. C'est pourquoi vous devez constamment utiliser le pouvoir de discerner. Parfois, il y a une différence dans la capacité à discerner et vous vous infligez alors une perte. Par conséquent, si vous n'êtes pas en mesure de faire preuve de discernement dans une situation donnée, faites appel à la coopération des âmes élevées qui sont les instruments. Vérifiez avec elles si quelque chose est Shrimat ou Manmat. Ensuite, mettez-le en pratique. À ceux qui avancent en étant à la fois aimants et respectueux de la loi, à ces âmes, Namasté. À de telles âmes, Namasté, Om Shanti.